parce que Audrey, nous savons grâce à Philippe où il va passer la nuit. Oui, on sait grâce à vos chansons où vous passez vos nuits. Si tu savais où je vais la nuit, je nage dans tes yeux comme en Océanie. Belle chanson. Alors, passer la nuit, Paris est une belle endormie. Pourtant, avec Audrey, tendre la nuit et vivre sa vie la nuit, oui, si c'est possible. Audrey, on vous suit le jour, mais on va vous suivre la nuit. J'espère bien. Philippe, vous vivez la nuit? Vous aimez ça? Qu'est-ce que vous faites la nuit? Ah ouais, moi, je dors, hein, principalement, je rêve. Je rêve. Vous rêvez? Ouais, c'est un moment privilégié. Puis quand je sors, bah, j'aime bien sortir dans des rues désertes. Vous marchez seul comme ça, le regard dans le vide. Oui, je suis en recherche de solitude la nuit. Oui, moi aussi. Je suis comme un chat errant. Vous n'êtes pas de ceux qui composent la nuit? Si, je travaille aussi des fois la nuit. Oui, il y a des choses qui viennent. C'est propice. Eh bien, complétez cet adage avec moi. Métro, boulot. Dodo. Eh bien non! Mais non! C'est terminé maintenant avec moi, c'est métro, boulot, expo, shopping, resto, ça ne s'arrête plus. Et oui, car bon nombre de magasins et d'institutions sont ouvertes désormais la nuit, vous allez le voir. Alors j'ai fait le tour de tout ce qu'il y avait d'ouvert. Alors si vous êtes insomniaque comme moi ou que vous avez des journées très chargées et que vous n'avez pas le temps, eh bien je vous propose de me suivre dans cette escapade nocturne et de voir quelles sont les possibilités qui s'offrent à vous. Dodo. Bonne nuit. Bon. Allez. Je vais pas réussir à dormir, moi. Hein. J'ai trop de trucs en tête, c'est pas possible. Mais je suis sûre qu'il y a plein de trucs à faire. La nuit, pas de raison que tout soit fermé. Allez, c'est parti mon kiki. Salut. Ah, la lumière. Bonsoir mademoiselle. Bonsoir. Vous avez l'air en forme. Bah oui, mais le truc c'est que tout est fermé en fait. Bah non, regardez, on est ouvert. Moi, comment je fais quand je sors hyper tard du boulot? Là, je devais aller chez le coiffeur aujourd'hui. J'ai même pas pu y aller. On a un salon de coiffure ouvert toute la nuit, de 20h jusqu'à 1h du matin. Tu peux aller voir? Je peux vous montrer la salle si vous voulez, ouais. Mais cool. Eh ouais. Là, il y a des boulots là. Hein. Un petit shampoing, non? Allez, tout bouge pas. Non. C'est le shampoing qui vient à toi. Élise, expliquez-moi. Dis-moi. Qui vient se faire couper les cheveux la nuit? Tout beaucoup de gens de cinéma. Le monde de la musique aussi, des musiciens. Et après, j'ai une grosse clientèle, des gros cadres supérieurs et des grosses sociétés. Ouh là là, il y a beaucoup de cheveux qui tombent. Mais parce qu'il y a beaucoup, c'est normal. Bah oui, enfin, j'en ai beaucoup, mais peut-être j'en aurai plus après. Voilà, regarde. Oh, oh là là. T'as vu ça? Merci Ulysse. Oh ma chérie. Je suis trop contente. Ah, moi. Exactement ce que je voulais. Alors maintenant que je suis bien coiffée, je vais pouvoir partir dans un autre lieu. Vous allez voir, il est ouvert toute la nuit. Ça, je le sais, c'est une exposition. Salut Ulysse. On y va ensemble? Allez. Allez. Alors Florian, il faut m'expliquer là, pourquoi avoir décidé d'ouvrir ce musée la nuit? Parce qu'en fait, on est la seule institution parisienne qui propose d'être ouvert si tard. Et ce qui permet à des gens qui travaillent la journée de venir en soirée et d'apprécier des expositions. Waouh! C'est grand. C'est très grand. Il n'y a personne en plus, j'ai l'impression d'être une vraie VIP. Ah mais vous êtes une VIP. Ah ben, on ne le dit pas souvent, mais merci. En fait, on peut vraiment s'approprier le lieu quand on vient en soirée. C'est comme un titre d'une chanson pourrie des années 80. Ouais. Genre, attends, vas-y. Ah non. I wanna live in your eyes. C'est trop ça. Bah c'est super, il y a encore des trucs ouverts. Qu'est-ce que c'est que ça? Excusez-moi. Oui. Ah ouais, je suis rentrée parce que j'ai vu de la lumière. Ouais. Mais c'est quoi ici? Un bar, librairie, galerie. Venez avec moi. Bah, je vous suis parce que là... Venez, vous allez découvrir. Je suis perplexe. On retrouve des livres un peu partout. Livres d'art, livres pour enfants, les poches. Ah oui. Voilà, on a quand même 1500 livres ici.
petite librairie, mais efficace et généraliste. Qui vient acheter à 1h du matin une toile ou un bouquin? Alors des tas de gens, des touristes, des gens de proximité, des gens de quartier, ceux qui voient de la lumière. Voilà, tout est possible. Je vais l'acheter. Vous pouvez me mettre dans un sac? Oui. Voilà, j'ai trouvé de la culture à 1h du matin, c'est chouette, hein? Et voilà. Merci beaucoup. Mes longues soirées d'hiver vont être remplies maintenant. À bientôt. Waouh, mais il y a un monde de dingue ici. Bonsoir, mademoiselle. Bonsoir. On m'a dit que vous serviez à manger toute la nuit, c'est vrai? Oui. Toute la nuit jusqu'à 5h du matin, et cela depuis 1935. Ouh là là, mais j'étais même pas née. Je crois que Stéphane Bern était né, ceci dit. Bon, du coup, je vais manger. C'est formidable. Je vous installe tout de suite. Allez. Allez, où est-ce? Eh bien, je crois que ça sera une poule au pot, hein, avec tout le monde. Très et bonne la idée. Poule au pot Henri IV, parce que je sais que Stéphane Bern aimerait beaucoup ce plat. Allez, chef, s'il vous plaît, une poule au pot. La fameuse poule au pot. Voici votre poule au pot. Alors expliquez-moi, qui vient manger en fait un peu le soir là, ici? Beaucoup d'artistes, beaucoup, beaucoup. Je mets des noms. On a eu les Rolling Stones, on a eu Prince, on a eu Frank Sinatra. Stéphane Bern. Stéphane Bern, oui. Bien sûr. Allez. Bon appétit, je viens vous voir dans quelques minutes. Super. Alors, comment ça s'est passé, mademoiselle? C'était délicieux. Oh, je suis content. Je suis repu. Formidable. Oh là là, des fleurs. Vous êtes ouvert. Et nous sommes ouverts tous les jours, 24h sur 24. Mais alors, il y a vraiment des gens qui viennent acheter des fleurs la nuit. Vous avez soit les gens excessivement pressés, ouais, donc qui ont besoin d'un bouquet à la minute, ou vous avez par exemple un couple d'amoureux qui sort du restaurant et qui vient compléter et terminer leur soirée par un très joli bouquet. Ah, c'est mignon. Regardez-moi, ce monsieur vient à 4h du matin acheter des fleurs. Bonjour, monsieur. Monsieur, pourquoi vous venez acheter des fleurs à 3h30 du matin? Je lui ai dit, je serai servi du boulot. Ah ben voilà, quand on sort du boulot, on achète des fleurs. Mais j'aime voilà. Bien ces hommes. Mais je connais pas ces hommes qui achètent des fleurs quand ils voilà. Ont du travail. Donc il n'y a pas besoin d'avoir. Où êtes-vous de... Où vous cachez-vous, messieurs? Vous m'appelez? J'aime bien. Tenez, voilà. Bon, bah parfait. Merci beaucoup. Merci, au revoir. À au bientôt. Revoir, hein. À bientôt. Bon, bah voilà, hein. Je crois que mission accomplie. Je suis allée chez le coiffeur, j'ai acheté des fleurs. Un livre de la culture, c'est incroyable. En revanche, je vais aller me coucher maintenant. Ouais, parce qu'on le dit pas assez souvent, mais finalement, vivre la nuit, ben, ça épuise. Salut. Ah, alors, Philippe, incroyable. Vous aviez idée qu'on pouvait faire tout ça la nuit? Non, c'est incroyable. Fou. C'est fou, c'est hein. Incroyable. Ah, ouais. Les gens qui disent on peut pas trouver un restaurant ouvert eh la bien, nuit. C'est fou. Si, des fleurs la nuit, une librairie la nuit. Surprenant, ouais. C'est surprenant. Alors là, il y en a pas mal. Là, j'ai appris une plein expo de choses. La alors nuit. Le restaurant, j'y suis allé. Mais qu'est-ce qui change? On a le sentiment que la nuit, l'ambiance est différente. Il y a une ouais. Sorte de... C'est ouaté, c'est plus détendu, peut-être les rapports avec les gens. Les gens sont hyper cool. Parce qu'autant la journée, je pense qu'ils sont un peu dans le speed, on est tous à 1000 à l'heure, on n'a pas le temps, on ne peut pas discuter, on est tous très pressés. La nuit, ce n'est pas du tout ça. La nuit, les gens, ils sont cool. Vous avez le temps, quand je suis allée à l'expo, il n'y avait personne. J'avais le temps de voir et de profiter des installations. Le médiateur qui était avec moi avait le temps aussi de bien m'expliquer le but de ces installations. Au restaurant, tout le monde se connaissait, alors qu'en fait, personne ne se connaissait vraiment, mais les gens vont de table en table, ils discutent. Vraiment, c'est comme une parenthèse, en oui, fait. Oui, c'est très la différent. Nuit. Mais est-ce qu'il y a, par exemple, si j'ai un petit creux que je suis chez moi, ouais. Et je me dis, ben, je vais me faire livrer quelque chose. On oui. Peut se faire livrer des choses la oui, nuit. Oui, Stéphane, on peut se faire livrer des choses incroyables la nuit. Et j'ai des petites, j'ai un petit shopping. Regardez, par exemple, imaginez Philippe, vous êtes fait larguer. Il est 3h du matin, vous n'arrivez pas à dormir. Devant vous êtes seul, vous n'avez pas d'amis, vous n'avez plus de parents, vous n'avez pas de chien. Il est resté avec votre ex. Qu'est-ce que vous faites? Eh bien, vous vous faites livrer du réconfortant, des petites glaces. Elle regardez, la glace. On peut se faire livrer du chocolat. Alors ouais. Ça, c'est bon pour le moral. Mais c'est génial. Ah, ouais. Et après ça, plus qu'un petit DVD à se lancer. Et voilà, on passe une bonne nuit, on est content. On tiens, Caroline, temps. Tu es merci. Trop mince, c'est exaspérant. Non, bah t'inquiète pas, je mange. Hein. Et on se fait livrer de la oui, bande. Alors non, regardez. Imaginez, Philippe, cette fois-ci, changement de décor. Oui. Attention, acteur studio. Oui. Vous êtes dans une fête, il y a plein d'amis.
Et vous vous rendez compte qu'il n'y a plus de menthe pour faire des mojitos? Oh là là, panique. Bah oui, panique. Bah oui. Il n'y a plus de quoi faire des cocktails, il n'y a plus de cacahuètes, il n'y a plus de biscuits apéritifs. Qu'est-ce que vous faites? Eh bien, vous vous faites livrer. C'est vrai. Et regardez, on a une solution pour vous. Vous pouvez même vous faire livrer de la glace. Oh, c'est pas vrai. Oui, regardez, un paquet c'est entier bien, donc, de glace. Une soirée. Ah, ça c'est super. À c'est super. 8 heures de la nuit, ça livre entre 21h et 6h du matin. Ah oui, c'est bien. C'est quand même génial. Enfin, dernière urgence, Philippe. Oui. Imaginez cette fois-ci que vous êtes dans un moment un peu propice au rapprochement des corps. Seulement, voilà, vous n'avez rien à votre disposition. Pour faire quoi? Eh bien, vous vous faites livrer. Des préservatifs. Des préservatifs, tout à fait, et oui. C'est un site qui vous livre aussi, mesdames, par exemple. Oui. Ça nous est déjà tout arrivé. Dame Nature ne prévient pas. Vous êtes en rate de tampons, de serviettes hygiéniques. Eh bien, ce site vous livre aussi. C'est pas le même site qui livre les préservatifs, du coup. Si, si, c'est le même site. Ah, c'est je vois que c'est un site spécialisé. En fait, il y a plein de sites spécialisés. Moi, je vais vous les mettre sur France 2. Oui, mettez-les sur France 2, ça va vraiment déclencher vocation. Mais non, mais c'était pour vous dire que voilà, tout est possible, Philippe. Voilà, c'est quand même le maître mot de cette chronique. C'est génial. Mais non, mais c'est chouette. Mais oui, c'est chouette.